retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un déballage pour une commande que j'ai faite. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, peut-être que certaines d'entre vous se demandent pourquoi j'ai écrit « Soutien à Bergère de France ». Eh bien tout simplement c'est que, alors je vais lire sur ma tablette parce que je ne veux pas dire de bêtises, c'est que tout simplement... Bergère de France est en, donc ça existe depuis 1946, hein, donc ça fait, ça remonte à un bail. Voilà, ils avaient déjà eu des petits problèmes il y a 5 ans, peut-être un peu plus, je ne sais plus. C'était en 2015, ouais, en 2015. Et ici, le tribunal les a mis en cessation de paiement. Voilà, donc le tribunal de commerce vient de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite provisoire de l'activité, en attendant et dans l'espoir d'avoir un repreneur. Voilà, donc il y a 165 emplois bah, qui sont sur la sellette. Voilà. Et je n'avais pas besoin de l'aide, vous devinez, mais je voulais donner une petite contribution en passant une commande. Voilà, on a été très, 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 et puis encore maintenant, très, très nombreuses à passer des commandes pour les soutenir. Donc, si vous voulez, vous, passer des commandes, bah, pareil pour les soutenir, n'hésitez pas, je vous remettrai le lien de la boutique, enfin du site internet en barre d'infos. Voilà, donc j'ai voulu faire un petit geste. Tu te bouges? Allez, faire un petit geste en faisant bah, donc une commande. Voilà. Là, du coup, ils attendent ils espèrent avoir un repreneur. Il y aura quand même, donc le site fonctionne comme d'habitude, ça, il n'y a pas de problème. Il y a même des petites promotions en ce moment dessus, donc profitez-en. Et il y aura également la grande braderie annuelle, elle aura lieu. Alors, c'est le 28, 29 et 30 juin, donc c'est à Bar-le-Duc, donc directement là-bas. Et ben, il faut faire. Moi, je ne peux pas y aller, c'est trop loin pour moi, mais toutes celles qui sont dans le coin, allez-y, faites chauffer la carte bleue, faites tout péter pour les soutenir. C'est quand même une société française. Et malheureusement, ben, comme beaucoup de sociétés françaises en ce moment. Voilà. Mais là, bon, en plus, c'est quand même. Je vous dis, ben la date, ouais, ça existe depuis 1946, donc ça s'est ouvert après la guerre. Ça va? Ça va. Donc voilà. Alors, ben, s'il y en a qui n'étaient pas au courant, ben, malheureusement, les mauvaises nouvelles. Donc voilà, j'ai passé une petite commande. Oui, non, elle n'est pas très grande. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ai eu ce matin. Et j'ai dit, non, j'attends pour l'ouvrir. Alors, peut-être que j'en repasserai encore une. Hein. Mais bon, on verra. Hop. Alors, attendez, je vais le mettre sur le côté. Alors, j'ai choisi quand même des modèles, donc je ferai peut-être ces modèles-là pour tricoter ce que j'ai choisi. Ça, c'est ah ben ça c'est ma facture, oui. Tic, tic, tic. Ok, je regarde. Ah, si, reste à livrer. Ah non, non, c'est un PDF, je l'ai eu. Oui, je croyais qu'il manquait des choses dans la livraison, mais non, non, c'est un PDF que j'ai... Ah oui, je l'ai eu, mais je ne l'ai pas encore téléchargé. Il ne faudra pas que j'oublie. Ça tousse encore un peu. Hein. Alors,
D'abord, alors celle-là, je ne la connais pas. J'ai pris du coton mérinos. Voilà. Et, ah ben, on voit super bien la couleur. Donc, c'est un peu couleur prune. Là, c'est raisin. Voilà, couleur raisin. Ça se tricote ou ça se crochette en numéro 4. Voilà, c'est une pelote Deka, 50 grammes pour 95 mètres. Pour faire un pull en jersey, par exemple pour une femme en M, il faut 13 pelotes. Mais moi, c'est pas ça, je sais plus ce que j'ai choisi. Alors attendez, je vais y aller voir en même temps, je vais me remettre sur le site. Si ça veut bien s'ouvrir. Où j'ai mis Bergère de France? Ah, là. Donc voilà. Alors là, j'en ai une, deux, trois, quatre. J'en ai 14. Voilà. Parce que ce que je veux faire avec, ben, il m'en faut 14, tout simplement. Alors, je cherche ce que je voulais faire avec. est-ce que j'ai. J'ai eu un catalogue gratuit. Oh, c'est dommage, c'est pour les enfants. C'est des modèles enfants, mais bon. Peut-être des petites choses qui iraient bien. Voilà. Donc, ça, je l'ai eu gratuit. Les enfants étaient numéro 35. Et. Celui-là, par contre, je l'ai acheté. J'avais un doute. Je crois que je l'ai, mais non, je ne l'ai pas. C'est un ancien, celui-là. Il est de 2018-2019. Mais c'est parce qu'il y a un modèle que je vais faire. Alors, je regarde si ce n'est pas dans celui-là. J'aurais dû préparer. Hein. Mais vous savez que moi, je prépare toujours très bien mes vidéos. Ouais, bah, c'est bon, je l'ai. Alors, coton nature. Ouais, non, mais alors c'est avec ça. Donc avant, c'était du coton nature. Mais maintenant, c'est ça. Donc c'est le coton mérinos. Voilà, et je vous montre. Oui. Voilà, pour le mettre sur la main. Alors, est-ce que j'ai une grande photo de. Je pense pas qu'il y a de grandes photos sur celui-là de catalogue. Non, je vais essayer de vous le montrer comme ça, mais sinon je vous ferai je vous mettrai une autre photo. Voilà. C'est pour faire ce petit pull en col V. Alors, on pouvait avoir les petits boutons pour coudre sur l'épaule. Il y avait aussi l'abeille. Mais l'abeille, non, il ne l'avait plus en stock. Mais on peut coudre aussi une abeille, mais bon, non, je vais le laisser simple. J'ai pas envie de coudre des. Enfin, quand il sera fait. Quand il sera fini? On ne sait pas quand. je verrai du coup si je mets des boutons ou pas. Vous voyez, ils sont sur l'épaule ici. Et le gros truc là, c'est une abeille. Voilà. Donc, j'ai pris donc ce catalogue. C'est un ancien 2018-2019. Voilà. Et ouais, celui-là, je ne l'avais pas. Et il y a l'air d'y avoir des trucs pas mal. Pull col roulé, des pull col fantaisie. Non, mais ça va. Il y a des trucs chouettes dedans. Je vais peut-être vous refaire une vidéo. Je la ferai peut-être demain pour vous montrer l'intérieur du catalogue. Parce que sinon la vidéo va être très 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 longue. Je sais que vous aimez les vidéos longues. Mais alors du coup, je vais rouvrir, mais c'est pour un autre pull. Ah, c'est rose. Je voyais pas ça si rose.
Ouais, bon, c'est pas grave. Oui, c'est rose. Alors, je vais l'ouvrir. Là, c'est de la laine idéale. Alors là, je ne vous ai pas dit 50% coton et 50% de laine mérinos pour cela. Et ici, l'idéal, c'est 40% de laine peignée et 30% d'acrylique et 30% de polyamide. Voilà. Donc c'est la couleur, je viens de le dire, Hortensia. Ça se tricote en numéro 4 également, c'est du DK. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, rien. Donc voilà, elle est rose. Elle est quand même moins rose que ça. Mince, du coup, bon, on verra. On verra. Là, par contre, j'ai rien de prévu avec celle-là. J'ai pas prévu quelque chose. Je verrai. Là, j'ai pris 10 pelotes. Voilà. Je sais que j'ai des autres laines qui pourraient aller avec ça aussi en haut. Donc, je peux peut-être faire un mix avec quelque chose d'autre. Et ensuite, vous voyez, j'ai quand même été raisonnable. Donc, je vais me mettre sur mon. Ah ben justement, je vois, il y a une promo. Alors, c'est 4 pelotes achetées plus une gratuite. Mais ça dépend des pelotes. Hein. C'est pas sur toutes les pelotes. Bon, déjà, la parisienne, il n'y a aucune promotion hein, dessus. De toute façon, elle est à 2,05 €. Donc, ils ne vont pas non plus vendre à perte. Hein. Ouais, voilà. Par exemple, sur le 100% lin, vous pouvez avoir 4 plus 1. Le mérinos, 4 plus 1. Ensuite. J'aimerais bien prendre peut-être la 100% lin. J'ai jamais tricoté la 100% lin. La Ilona, celle-là, je ne la connais pas non plus. 4 plus 1. La Zoé, je ne connais pas non plus. Il y a quand même des pelotes que je ne connais pas. Il y a la Mérinos lin. Peut-être au lieu de prendre quelque chose en 100% lin, prendre peut-être ça de la Mérinos lin. Mais bon, je verrai. Voilà, après il y a la gommie, la douce laine, le coton satiné. Ouais, il y en a quand même pas mal. Alors, allez, excusez-moi. Hein. Connecte-toi. Voilà. Alors, mes fiches téléchargeables. C'est celui-là, oui. Hop. Bon, tant que ça se télécharge, je vous montre. Alors, ici, c'est la laine, elle s'appelle Estelle. Le coloris, c'est automne. C'est 56% de laine, 25% d'acrylique et 19% de polyamide. Voilà. Alors, elle est un peu fluffy, vous voyez? On voit, elle est très douce, très très douce. Et là, je l'ai pris pour faire hop, ce modèle. Donc, super simple. Voilà, faire ce petit modèle. Et là, je sais pas en quelle couleur il est là. Ils ont je crois que c'est la même. Alors c'est un pull jersey raglan donc col V. Niveau difficulté ben, c'est facile, voilà. Et on l'a de la taille S à la taille XXL. Et donc il fallait 5 pelotes.
Donc, j'en ai quand même pris une de plus à cause de la longueur. C'est que moi, les pulls, je les veux pas trop courts. Donc, en voilà trois. Et trois, voilà. Donc, j'ai pris une pelote en plus pour faire quelques centimètres en plus sur la longueur du pull. Voilà. Donc voilà ma petite participation pour l'instant. Pour l'instant, je verrai, hein, je ne sais pas. Bon, j'ai juste un petit doute, du coup, c'est sur celle-là. Elle est rose, mon Dieu. Elle est très rose. Je ne sais pas ce que j'ai. Là, il faut que je la tricote avec une autre couleur en plus parce que. Alors, dans l'idéal, justement, j'avais vu un modèle un peu style marinière. Et je me demande si je ne reprendrai pas donc de l'idéal. Mais dans ce cas-là, le reprendre en couleur, peut-être pas blanc, mais un blanc cassé ou écru. L'idéal, je ne sais plus dans quelle couleur on peut l'avoir. Alors, les fils ici. Alors, idéal, idéal. Je vais regarder les couleurs qui existent. Et du coup, je ferai les rayures roses. Idéal, c'est l'idéal quel? Ah oui, la normale, parce qu'il y a l'idéal 4 aussi. Appliquer. Voilà. Alors, idéal, qu'est-ce que j'ai? Ah, et en plus, là, c'est 4 plus 1. Donc, c'est pas mal. Alors, il y a couleur bonbon, chili, bougainvillée, canari, fougère, moutarde, belladone, calanque, helvérest. Voilà. Bah c'est, vous voyez, il y a ces deux. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Vous voyez, là, c'est un blanc blanc cassé, presque écru. Et là, c'est un blanc blanc. Et l'hortensia, du coup, la voilà. Vous voyez? Alors, ces deux-là, je pense qu'ils iraient bien ensemble. Et je pourrais faire le petit pull marinière en blanc cassé avec des rayures roses. Ouais, ce serait moins tape à l'œil. Et puis du coup, s'il me resterait de la laine, faire autre chose, faire un petit gilet, quelque chose. Pareil avec les deux couleurs. Ou alors faire un petit ensemble. Je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, le pull plus le gilet. Et je pourrais faire ça. Je verrai. Ouais, non, parce que là, c'est vraiment rose. C'est trop rose pour moi. Ouais, non, faire juste des rayures. Là, ça irait. Mais c'est vrai que des fois, en photo, on voit moins bien les couleurs. Et j'avais visité avec. La bougainvillée, j'aimais bien. Attendez, je vais vous la montrer si elle veut bien. Ah, ça y est. Allez. Voilà. Vous voyez, la bougainvillée, c'était ça. Ça aurait été moins pétant. Du coup, la blanc cassée. Ouais, ben vous la verrez pas mieux, la blanc cassée. Oui, voilà. Donc avec ça avec le rose, je pense que ce serait bien. Donc, après, j'avais aussi la belladone que j'aimais bien. Belladone, c'était ça. Vous voyez. Mais bon. C'est pas grave. Je vais réussir à voir ce que je vais faire avec.
je vous dis, un genre de petite marinière ou même un pull avec des lignes, quelques petites lignes roses dedans. On va trouver, on va trouver. Et donc dans les modèles, ben le pull que je vous dis là, est-ce que je l'ai sous la main? Alors, c'est l'idéal. Hop. Appliquer. Oh. Allez. Pas ma tablette, elle est fatiguée aujourd'hui. Voilà, me voilà. Hop, attendez, juste le temps de l'ouvrir. En plus, ils disent pull facile, donc c'est bien. Voilà. Vous voyez? Donc, je ferai à peu près la même couleur de fond. Donc là, je ne sais pas si c'est blanc cassé. Non, c'est un beige là. Mais du coup, je mettrai les lignes en rose. Voilà. Non, il est joli hein, comme pull. Ouais, je pourrais faire ça. En plus, bon, il n'y a pas de raglan. C'est des épaules tombantes, voyez. Donc c'est le truc super facile à tricoter. Voilà. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je repasserai une commande pour avoir de l'idéal, mais du coup en blanc cassé. Et comme ça, et je me demande, je crois que il est gratuit. Ah non, non, le patron est à 1,10 €. Bon, c'est pas très grave, ça va. Et là, ils avaient mis. Ah, couleur vannerie, mais elle est épuisée. Et la couleur bleue, elle est épuisée aussi. Donc, bah voilà, moi, ça y est, je le ferai blanc cassé et puis des lignes roses. Ça fera moins rococo pour moi. Voilà. Et puis, ben, du coup, le pull que je vous ai montré tout à l'heure avec celui-ci, pareil, elle est super douce. Je pense qu'elle va se tricoter assez rapidement puisque c'est du 4. Bon, il faudrait que je termine mes autres pulls. Bon, je ne sais pas si je les aurais terminés, mais j'aurais bien en terminé un pour commencer un autre. Donc voilà, bah écoutez, ça c'est ma petite touche à moi pour le soutien pour Bergère de France. Du coup, je vous dis, je pense que je vais repasser une petite commande pour reprendre de la laine idéale et on verra si je prends autre chose ou pas. Mais bon, je vais pas non plus, vu le stock de laine que j'ai, je tricote moins que je ne brode. Et puis surtout, je tricote beaucoup moins vite que je ne brode. Donc, je verrai. Voilà. Je vais voir ce que je vais faire. Et cette laine-là, l'idéal, je vois que c'est beaucoup des modèles enfants. Il y a des modèles femmes, la preuve, mais il y a beaucoup de modèles pour enfants. Mais bon. Voilà. On verra ce qu'on va prendre. Bah écoutez, voilà. Donc, si vous tricotez, bah, je vous invite, si vous voulez, bien sûr, à participer un peu au soutien de cette boutique. Voilà, en passant commande ou en allant chez vos revendeurs également. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des revendeurs Bergère de France en ville. Il faut penser à eux aussi, parce que si Bergère de France s'arrête, il ne faut pas l'espérer, mais si ça s'arrête, les petits revendeurs, ils vont s'arrêter aussi. Hein. Voilà. Malheureusement, ça va faire boule de neige.
Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bah, dites-moi si vous avez passé ces derniers jours une commande sur Bergère de France. Dites-moi aussi si vous avez déjà pris les pelotes que je vous ai présentées, puis qu'est-ce que vous avez fait avec, pourquoi pas, ça peut me redonner des idées. Et là, bon, pour le rose, je vous dis. Je pense que c'est ce que je vais faire, des petites lignes, des petites rayures sur le pull pour pas que ce soit trop flashy. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous refais une vidéo très rapidement, je pense demain, au plus tard après-demain, mais j'essaye de vous la faire pour demain, pour vous montrer l'intérieur de ces deux catalogues. Donc celui-là, je vous rappelle que je l'ai acheté. Et celui-là, il a été offert avec la commande. Donc je ne sais pas s'ils en offrent encore là. Là, je ne le vois pas. Qu'est-ce que je vois? Non, je ne le vois pas. Bon, peut-être qu'ils le mettent dans la commande. Ah oui, il y avait un panier à tricot qui me plaisait bien, mais bon, le prix, non. Pourtant, il est en promo, mais non. voilà. Bon, ben moi, je vais feuilleter un petit peu le site. Commander les couleurs blanc cassé en idéal et voir si je prends quelque chose de plus ou pas. Et voilà. Allez, j'attends tous vos commentaires et n'hésitez pas, je vous mets également le lien du groupe de soutien à Bergère de France. C'était le groupe Bergère de France, maintenant ça s'appelle Soutien à Bergère de France. N'hésitez pas à aller vous y inscrire également si vous le souhaitez pour partager vos modèles de tricot, partager pour les soutenir. Voilà. Donc n'hésitez pas. Allez, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.